entends goûter. Je croyais la mission terminée. On rentre. Totango leader. Il nous reste trop de pétrole. Autant le brûler. Colle derrière. On fait un passage sur la plage. Droit devant. Paré. La plage. Tu es complètement dingue. Du leader. Pose pas de questions et suis. On pique. Ernest, vous avez juré qu'il viendrait pour mon anniversaire. Oh, c'est un gus au poil, mon Ernest. Un quoi? Un gus. Du leader de ton côté? Bravo! De mieux en mieux. Du leader. Pas mal, hein? Allez, on enchaîne. Comment, c'est intolérable. Oh, joli ça. Mon chéri, il faut faire quelque chose. Je croyais que le survol à basse altitude était interdit. Mais il est interdit, chère madame, il l'est. Alors Max, qu'attendez-vous pour les faire coffrer, n'est-ce pas mon chéri? Ce sont des pilotes de Nancy? Probablement. Max, je compte sur vous pour téléphoner au ministère. Max, je veux tous les renseignements sur ces deux aviateurs. Vous tenez vraiment à savoir qui sont ces deux abrutis? Ce sont deux pilotes remarquables. Exactement ce que nous recherchons. Mais ce sont deux cloches de la pire espèce. Vous êtes bien sûr qu'il s'agit de Tanguy et de la Verdure. Pourtant, ça m'étonne de la part de Tanguy. Un moment, je vous prie. Philippe, Tanguy et la Verdure dans mon bureau dès qu'ils s'opposeront. Merci. Alors, oui. Non, t'as vu mes tonneaux? J'espère que j'étais le seul à les voir. Ça te casse pas la tête, on va prendre une bonne douche. Une douche? Mais ils savent pas que le colon les attend. Ben, vous feriez bien aller chercher le favon chez le colonel, hein. Et voilà. Et Michel, tu peux quand même pas me faire une histoire pour deux ou trois tonneaux, non? Oh, fous-moi la paix. Et Michel, t'es en colère? C'est quand même pas après moi, non? Ouais, hey. C'est tout de même pas moi qui ai voulu aller faire le cirque pour l'anniversaire de Béatrice. Ah ben d'accord, c'est moi. Mais je vais te dire un truc, t'es furieux. Monsieur Hall, parce qu'il m'a suivi. On est donc Michel. Tu crois vraiment que j'ai exagéré? Puis dans le fond, Béatrice, si je l'épouse, ben, ça sera un peu grâce à toi. Hein? Parce que je crois qu'on l'a impressionné. Viens voir ce qu'en pense le patron. Entrez. Entrez! Ah, puis non. Vas-y, toi, tu fais plus sérieux. Dois-je vous ouvrir la porte, monsieur? Pardon, mon colonel. Après votre brillante démonstration, j'imagine, monsieur, que vous ne vous étendrez pas si je vous colle à pied jusqu'à nouvel ordre. Non, écoutez, mon colonel, c'est surtout moi qui... Votre équipe y a suivi, non? Oui, mon colonel, je suis. Vous connaissez le tarif? Aux arrêts jusqu'à votre départ pour Dijon. Parce que... On va à Dijon? Oui.
Vous avez été désigné pour voler sur Mirage 3 à Dijon. Remarquable, tout à fait remarquable. Major de la promotion 1960 de l'école de l'air. Patrouille acrobatique, tireur d'élite. Ça ne vous suffit pas, Max? Si, évidemment. C'est tout à fait le gendarme que nous cherchons. Seulement, moi j'ai peur qu'il se méfie. Se méfie de quoi? Nous l'engageons pour participer à des meetings aériens internationaux d'acrobatie. C'est clair. Décidez, Stanguy. Et mettez-y le prix. En revanche, ce lavirdure me paraît plus léger. Oui, il est un peu trop attiré par le sexe faible. Dès qu'il voit une femme, il s'enflamme. Alors, Marquise, on a eu son permis dans une pochette surprise? Et vous? On vient de vous sortir de l'asile, Napolitain. Mademoiselle se croit en Angleterre. Et vous, Amédrano, espèce de saltimbanque? Laisse tomber. Viens plutôt me donner un coup de main. Laissez donc, mademoiselle. Tiens, vous parlez, vous? Le moins possible, oui. Eh bien, vous avez raison, parce qu'il s'en charge pour deux, votre copain. Seulement, il oublie de conduire. Non, mademoiselle, je ne conduis pas, je pilote. Ah! Eh bien, quand on le fait aussi mal, on prend un avion. Eh bien, nous en conduisons un, tous les deux, mon camarade et moi. Ah, vous êtes aviateur. Et même pilote de chasse. Je me présente. Le lieutenant Laverdure de la base 102 à Longwy, près de Dijon. Ah, mademoiselle, quel heureux hasard a fait que votre deux chevaux est... Et quoi? Bon, Ernest, ça va, hein. Voulez-vous qu'on fasse un constat, mademoiselle? Non, je ne veux pas vous attirer d'ennui. Vous allez à Dijon? Pour des pilotes de notre valeur, il n'y a que Dijon, mademoiselle. Vous connaissez? Non, pas spécialement. Bon, alors, si un jour vous passez par Dijon, vous demanderez le lieutenant Laverdure et le lieutenant Tang. Oui. Il se fera un plaisir de vous offrir un verre de moutarde. Allez, sors un coup. Allez, mes chemins, je vais passer. Merde. Ah. La vache. Oh, la vache, tout. Ils n'ont pas promis de nous emmener à Dijon. Pas mon pote, il y a des freins. Mon colonel.
seriez pas les nouveaux pilotes par hasard? Lieutenant Michel Tanguy, mon colonel, nous venons... C'est la verdure. Oui, Ernest. Ernest, mon colonel. Je vous en parle, mon colonel, vous étiez là. Mes amis, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Oui, nous manquons justement de mécaniciens. Et comme vous avez essayé de me passer les fesses au pare-choc, vous avez filé au hangar, me passer les ailettes de turbine au pétrole. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous êtes nouveau ici? Oui, mon colonel. Lieutenant Michel Tanguy. Lieutenant Ernest Laverdure. Peut-on vous demander ce que vous faites là? Mon colonel, c'est... C'est le colonel qui nous a ordonné de... Le colonel? Non seulement vous êtes idiot, mais vous êtes aveugle. Il n'y a qu'un colonel ici, c'est moi. Je vous donne 10 minutes pour vous présenter à mon bureau dans une tenue impeccable. Le planton vous dira où vous changez. Rompez! Dis donc, on s'est fait posséder dans les grandes largeurs, hein. Oui, pourtant, on devrait être vacciné, hein. Tu te souviens de notre arrivée à Nancy? Mais vous êtes fous! Un officier supérieur arrive! Allez, cachez-vous vite! Hein, mais où? Là-bas, là-bas, allez, hein? Vite! Mais où? Allez, allez! Allez, allez, allez! Eh bien, messieurs... Quand vous aurez fini de regarder par les trous de serrure, vous daignerez peut-être vous présenter à votre colonel et à votre commandant d'escadre. Mais dites-moi, nous vous attendions ce matin. Vous avez été retardé? Une panne, mon colonel. Entrez. Ah, Nicole. Voici les lieutenants Tanguy et Laverdure, dont vous nous avez si gentiment annoncé l'arrivée. Bonjour. Mademoiselle. Mais je vois que vous êtes tout de suite senti chez vous ici. Vous vous êtes mis à l'aise. Couvrez-vous donc. Nous portons un peu le mini-froc à la deuxième escadre. Alors là, je dis mon colonel. C'est l'autre colonel qui... Mais il n'y a pas d'autre colonel sur la base. Ah bon? Mouillé. Prenez en charge. Et mettez-les tout de suite au travail aux cigognes. Avec plaisir, mon colonel. Je vous en prie, messieurs, après vous. Allez, en avant. Chambre 17, chambre 16. Merci. Bien, merci. Vous montez vos valises. Je vous attends au bar PM. Bien, mon colonel. Eh bien, j'espère que l'escadrille des cigognes pourra être fière de ces 3 nouvelles recrues. Voilà vos 2 instructeurs, capitaine Mercier, capitaine Merlet. Bonjour. Vous ne nous en Bonjour. Voulez pas pour le coup des faux colonels? Bonjour. Sans rancune. Sans rancune, mon capitaine. Vous savez, on était prévenus. Les farces à l'arrivée à l'escadre, c'est de tradition. Vous savez, on a fait semblant d'y couper pour pas vous casser le travail. Parce qu'il faut vous dire que mon camarade Tanguy et moi, pour nous avoir, il faut se lever de bon matin. On connaît tous les coups. Même le coup du verre baveur. Ah, hein. Michel! Hé! Ouais! T'as des punaises? Pourquoi faire? T'en veux pas, viens! Oh, tu vas pas recommencer avec tes saletés, hein? Alors là, tu me fais de la peine, hein? Je me demande quel plaisir tu as à coller ces filles au mur. Quel plaisir j'ai, hein? Eh bien, je les regarde en m'endormant. Et je me dis que c'est pas désagréable de vivre sur une planète pleine de petites sœurs comme celle-là. Non, mais quand tu seras colonel ou général, tu continueras
Ah, bien sûr, je continuerai à punaiser. J'aurai même un placard, plein de pin-up. Et une fois par an, je les montrerai aux pilotes les plus méritants. Ça tire. Élève-toi, Guy. La pilote girl a contribué au maintien du moral des troupes au même titre que la marraine de guerre ou le quart de rouge. Tiens. Rita et Worf a fait gagner la guerre de 45. Marilyn Monroe, la guerre de Corée. Et la Madelon, la... Bien, professeur, vous devriez prendre une douche. Ça vous rafraîchirait les idées. Qu'est-ce qu'on vole cet après-midi? Ici, on commence par voler au sol, comme les copains. Bon, pas besoin de nous faire un dessin. Le simulateur reproduit exactement votre poste de pilotage. Altimètre, radio compas, débitmètre, qui vous donne votre consommation, et bien entendu, la boule. Ne jamais vous fier à vos impressions. Jamais. Seule la boule vous donne votre position exacte par rapport à la planète. Vu? Vu. Bien. Alors, Kramer, c'est bien cette réponse? Depuis une minute que vous hésitez, vous avez déjà fait 40 km. Vous êtes à Mach 2. Quand on vole à deux fois la vitesse du son, il faut se manier, bonhomme. Messieurs, lorsque vous êtes brêlé sur le siège éjectable, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est actionner la poignée de séparation, siège, parachute. N'est-ce pas, lieutenant La Verdure? Lieutenant Kremer, vous allez répéter après moi les phrases de procédure anglaise au roulage. Rita, 27, you are clear to taxi runway 36 in use, ground pressure 9R8. À vous. Rita 27, you are clear to taxi. Runway in use, 36. C'est mauvais, reprenez depuis le début. Rita 27, you are clear to taxi. Runway. Commandant. Oui. J'amorce l'atterrissage. Absolument superflu, mon vieux. Depuis 20 secondes, vous volez très exactement à 1650 pieds sous la croûte terrestre. Mauvais réglage d'altimètre. Vous êtes mort, mon petit vieux. Nous sommes certains que cette proposition concernant votre avenir vous intéressera au plus haut point. Et nous vous attendons à nos bureaux au jour et à l'heure qu'il vous plaira. Ah, casse pas le tronc. C'est encore une combine publicitaire. Ils vont te proposer d'acheter une salle à manger en bois de zizi ou 26 paires de draps. Ça m'a l'air sérieux, cette histoire-là, Ernest. Mais dis donc, Michel, tu vas pas nous quitter, non? On n'est pas mariés ensemble. Ouais, parce que toi, si tu t'en vas, moi je me tire. Hein. C'est drôle, mais ça me coûte rien de voir de quoi il s'agit, non? Ah bon, d'accord. D'accord. Ah, Nicole, bonjour. Hein? Vous venez vous baigner? Et dans la secrétaire du colonel, je le trouve sympa. Il nous a drôlement rien avec son histoire faux colonel. Hein. C'est pas elle qui l'a monté. Bon, il nous avait quand même annoncé. Bonjour. 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 Ça va? Je peux m'asseoir? Ouais, je vous rappelle. Je voudrais que nous fassions la paix. On n'est pas en guerre. Alors il n'y a aucune raison de ne pas se parler. On va pas prendre le temps perdu.
On dîne ensemble ce soir? Regardez. Tu n'es pas libre ce soir. Non, mais, moi, je suis pas libre. Je suis pas libre. Alors, d'accord? Ernest? Oui. L'amitié pour moi, c'est sacré. On y va? D'accord. Et la discipline dans l'armée, vous vous y faites? Vous savez, dans la chasse, c'est plus une nécessité qu'un principe. La moindre erreur est fatale. Et la solde? C'est une solde. Il n'y a pas de mystère. Dites-moi, si je vous offrais 2 millions d'anciens francs pour passer chez nous... 2 millions par an? Non, voyons. Par mois. Par mois? Mais pourquoi faire grand Dieu? Pour piloter. Piloter? Mais oui, Monsieur Tanguy, notre affaire a des ramifications internationales. Elle s'étend tous les jours. Nous possédons nos propres avions. Ah non. L'aviation commerciale, merci. Je ne tiens pas à devenir chauffeur d'autobus. Ah, ça, je m'en doute. Mais c'est précisément de pilotes de chasse dont nous avons besoin. Nous mettrons entre vos mains des avions qui valent les vôtres. Mais pourquoi avez-vous pensé à moi? Parce que nous voulons les meilleurs pilotes. Nous avons les moyens de nous les offrir. Seulement, nous sommes très pressés. Avouez que ça demande réflexion, non? Puis, je dois faire ma demande de mise en congé, il me faut du temps. Pensez-vous, tout ça ira très vite. Signez notre contrat, nous nous occuperons du reste. Nous avons beaucoup d'amis et de relations, vous savez. Alors, nous signons? Il faut que je réfléchisse. Attention, ma proposition ne sera peut-être plus valable demain. Alors, elle n'est pas sérieuse? Mais si, elle est très sérieuse, au contraire. Je plaisantais. Mais tant que je vous donne le temps de la réflexion, disons 8 jours. Bon, c'est d'accord. Dans 8 jours ou avant, vous aurez ma réponse. C'est promis. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, et merci d'être venu. Je ne pense pas que ça marchera. Je le sens trop méfiant. Vous plaisantez, Max. J'ai décidé d'engager ce garçon. Et vous savez bien que lorsque j'ai décidé quelque chose... Bien, monsieur. Je ferai l'impossible. Nous l'aurons. Les chevaliers du ciel, dans un brise tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre,